Hello tout le monde, c'est Super Brioche et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur BioShock 1. Et aujourd'hui, on va se rendre sur le terrain d'essai pour poursuivre Fontaine. On est accompagné de notre nouvelle petite sœur préférée, puisque je vous rappelle qu'on est en accoutrement de protecteur, hein, donc on va devoir la protéger, ça paraît logique. Et avant de commencer, je voudrais juste vous signaler, déjà peut-être qu'il s'agira du dernier épisode, ça je peux pas le savoir à l'avance. En même temps, on arrive à la dernière zone, donc je ne sais pas combien de temps ça va durer. Si c'est pas le dernier, je pense que ce sera l'avant-dernier, enfin, ça peu importe, c'est pas vraiment le message que je voulais vous passer. Je voulais seulement vous dire que j'allais faire le BioShock 2, sans doute à la suite. Donc voilà, pour ceux qui se posaient la question, je le ferai sans doute directement à la suite. Voilà, donc maintenant on peut commencer, on va rentrer sur le terrain d'essai. Alors je ne sais plus du tout à quoi ressemble cette zone. J'espère que ça va pas être trop difficile. En même temps, dernière zone quoi, donc si c'était difficile, ça paraîtrait logique, donc méfions-nous, méfions-nous. Alors on voit que quand même notre petite sœur a une... Je crois que c'est une jauge de vie en fait qu'on voit. Les petites sœurs te mèneront à Fontaine, mais tu dois les protéger. Y a des anges qui veulent un bisou. Ok, on va devoir la protéger, hein, ça se confirme. Il n'y a que elles qui peuvent nous guider ici apparemment. Il faut y aller, monsieur P. Il y a un truc qui me stresse là, vraiment, franchement. Alors je vais mettre ça là, au dernier épisode, je sens, mais... Mais c'est pas possible, quand on l'entend pas, ce pauvre type. Comment je peux... Option de jeu. Sous-titres. Tiens, allez, bouffe-moi ça. Ah bah il parle plus. Bon d'accord. Oui. Oui, calme-toi, calme-toi. Attends, est-ce que la zone est grande? La zone n'est pas extrêmement grande, hein. Et est-ce qu'il y a des petites sœurs ici? Non, il n'y a pas de petites sœurs. Pour l'instant c'est très calme. Il y a un truc pour inventer des objets, mais je sais pas si ce sera très utile. Ouais, je vais prendre quelques trucs, mais... A mon avis, on n'a pas besoin de tout ça. Ouais, voilà. Vite, Monsieur P. Ouais, je sens que Monsieur P... Je vois des anges qui dansent dans le ciel. Oui, j'arrive. Calme-toi. Voilà, bon. Il y a des caméras, non? J'entends des trucs. Il faut y aller, Monsieur P. Vite, vite, Monsieur P. Voilà, il n'y a que elles qui peuvent nous ouvrir ces portes. Est-ce que j'aurais pas raté déjà quelque chose ici, en fait? Attendez, attends-moi. Attends-moi, hein. T'es trop lent, Monsieur P. Les anges aiment pas les gros ballons. Qu'est-ce qui t'arrive, Marie? Je crois que tu as besoin de... C'est pas vrai. Marie, elle nous saoule. J'ai envie de vomir. Parfois, je vois même des choses qui n'existent pas. Tu es en descente de plasmide, Marie. Cette zone me stresse. Sur les injections, ça va passer en arrière. C'est trop calme. C'est beaucoup trop calme. N'oublie pas que plasmide bien choisi t'embellit la vie. J'arrive, j'arrive. Elle est où? Ah! Où elle est? Voilà. Je comprends pas. Faut faire quoi, ma petite? Y'a quoi en bas là? Mon dieu! Mais je veux bien venir, mais moi je veux tout visiter, ma fille! Il y a une toute petite salle là. Si on peut avoir des enregistrements qui sont chauds à avoir, moi j'aimerais bien. Voilà. Pour l'instant, elle risque rien, elle perd pas de vie. Tout va bien. Je suis sûr qu'il y a des trucs cachés. Oh, je suis à fond en tout, ça m'agace aussi. C'est tout ce qu'il y a ici, c'est bizarre toutes ces petites salles. Je peux pas passer là. J'arrive, ne t'inquiète pas. Je peux pas descendre. D'accord, bon, j'arrive. C'est bien parce que c'est toi. Oh non, Monsieur P. Les anges aiment pas les gros ballons. Touche pas à ma petite sœur, toi. Désolé. Trop tard, Monsieur P. Y'a des anges qui veulent un bisou. Oh, je t'ai pas vu, toi.
Tu crois que je t'ai pas vu? Mais où est-ce que tu vas? Vite, monsieur P. Ok. Je me méfie, hein, parce que là, c'est très stressant, l'endroit. Je voudrais pas que ma petite sœur meure. Il faut y aller, monsieur P. Y a une caméra! Oh là là. Mais elle me voit pas, la caméra, si. Je suis un protecteur. Vite, monsieur P. Mais c'est pas ça qu'il veut faire, monsieur P. Je vais y arriver, je vais y arriver. J'arrête de toucher à tous les boutons. Voilà. Je veux juste des trucs perforants. Est-ce que la caméra me voit? Honnêtement. Non. Là, monsieur P. Il y a des anges qui veulent un bisou. J'aime bien là-bas. Bon, au moins les sous-titres m'aident un peu à comprendre. Je vois de là-dedans, monsieur P. Ah, c'est quoi tous ces cris là? Je vois des anges qui vont dans le ciel. Dégage! Laissez la petite sœur tranquille! Je suis une gentille fille, monsieur P! Vite, monsieur P! C'était un ange très très beau, monsieur P! Il a l'air poussé, monsieur P! Trop lent, monsieur P! Les anges aiment pas les gros ballons! Oui! Touchez pas. C'est bon, il la touche pas. Mais monsieur P. Ah, c'est vrai qu'on m'a changé ma voix. Hop là. Personne arrive. T'as terminé? Monsieur P. Y'a des anges qui veulent un bisou. Bon, tu te répètes un petit peu, toi. Je peux te prendre en photo? Ah ouais. Parfait. Et je peux spammer ou pas? Non. C'est dommage. Bon, méfions-le. Monsieur P. C'est toi qui va doucement là. Qui danse dans le ciel. Est-ce qu'on doit te suivre comme ça longtemps? Ah d'accord, mais on sait elle l'objectif. Ok. Monsieur Ray, vous savez quoi? On va pirater ça. Monsieur P. Les anges aiment pas les gros ballons. Tout ça est avec nous, ça va être très bien. Je vais les pirater parce que je sens que... Hop. Je sens que ça va être utile. Genre ça aussi. Il faut y aller, monsieur P. Vas-y, récolte-le, là. Test subject. Je t'ai fouillé, toi. On va peut-être mettre des mines. On va préparer le terrain. Monsieur P. Si elle récolte de la danse, cela attirera un coup sur l'attention des gros hommes. Si le goût égale, c'est cool. Vite, monsieur P. Boum. Wouh. C'est un ange très, très beau, monsieur P. Il a fait le grand saut, lui. J'aime bien la danse. Je me sens spécial. Vite, monsieur P. Hop, voilà, on est bien là. Je vois des anges qui dansent dans le ciel. Boum. Brûlez. Par contre, ça a pété la tourelle. Allez. Y'a personne? Vite, monsieur P. Ah! Tiens. Ennemi repéré. On est plutôt bien protégé là. Marche pas dans les mines! Qu'est-ce que ça peut m'énerver ça quand tu fais ça? Les anges aiment pas les gros ballons. Une napalm. Elle a pris des balles là, non? Non. Pourquoi? Eh oh! Il faut y aller, monsieur P! Qu'est-ce qu'il y a là? Mais qu'est-ce que tu fais? Je veux bien avancer, mais pourquoi on se prendrait des balles? Pourquoi elle se prend des balles? Dégage! Elle est con cette tourelle! Open the door. Est-ce qu'on arrive au bout là? On a encore tout ça à faire. Ok. Il faut y aller, monsieur P. Le protecteur, il est avec nous, hein. Faut pas déconner.
faut y aller, mais je suis prête pour le dodo, Monsieur P. Tu vas aller te coucher? Non, Monsieur P. Les anges n'aiment pas les gros ballons. Mais pourquoi? Désolé. Elle a moitié de vie, là. Pourquoi les tourelles, elles... Tu vas te pousser, oui, sale mioche. Vite, pousse-toi! Vois des anges qui dansent dans le ciel. Je veux pas tuer la tourelle. Je veux qu'elle soit avec nous. Y'a rien d'autre ici? Trop tard, Monsieur P. Y'a des anges qui veulent un bisou. Elle me stresse, la gamine. Ok. Je suis assez concentré, là, je parle pas beaucoup, mais... Allez, Monsieur P. Pas de temps à perdre. Tu me stresses. Non. On va pas la pirater, elle. À moins qu'il y ait un corps ici. Si, y'a un corps. Ah! Pousse-toi, pousse-toi. Ah! Attendez. Stop. Voilà. Il faut y aller, Monsieur P. Mais je croyais qu'il y avait un truc ici. Qui te tire dessus? Qui t'a tiré dessus? Aïe, mais c'est pas possible! Ils viennent d'où, les putains de dégâts, là? Elle est morte. Mais j'ai pas fait exprès. J'ai perdu une petite sœur. Elle se prend des dégâts de nulle part. J'espère que c'est pas grave pour avoir la bonne fin. Il me semble pas. Il me semble qu'il faut juste les sauver de... Il y a trop d'eau là, elle arrive pas à courir. Allez, sors de là. J'espère, hein. Mais là, je peux pas le savoir. C'est bon? Viens voir. T'as l'air moins causante que l'autre. C'est peut-être mieux. Y'a ça qui va péter, là. C'est bien, tu parles pas, toi. T'es bien élevé. Il est où ton prochain copain là? Bonjour. Y'a rien du tout, rien du tout. On doit aller où comme ça? Où ça? Oh, allez, on commençait juste à s'amuser un peu. Voilà, des petits morceaux. Attention. Allez, le dernier piratage auto. Et là, on va faire ça. Un vrai piratage à l'ancienne. Hop. On va mettre ça comme ça, là. On gagne un petit peu de temps. Ok, faut passer par en dessous. Alors, on descend. Là. Hop. Tout va bien se passer. Hop. Et un dernier qui va... Il y en a un qui traîne. Là. Voilà. Elle me chopé. C'est l'image. À qui? À personne. T'es gentil. On est dans un espèce de musée là. Le terrain d'essai. Ça va pas toi? Oui. T'inquiète. Là, je suis full protégé. Dégage. Qui me tire dessus? On est bien protégé. Dégage. Allez hop, on dégage. J'aime bien la danse. J'aime ce spécial. Qui est là? Brûle. On dirait que l'ange danse. Elle lui lance des couteaux, mais dégage! Ça sert à rien, on peut pas la soigner? J'ai pas l'impression. Tu peux pas nous donner ton Adam? Tant qu'à faire.
Allez, viens, 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 viens. C'est safe là. Enfin, ça a l'air en tout cas. Où tu es? Approche, approche. Ensuite, c'est par ici. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il a le protecteur? Ouah! Mais d'où le protecteur? Je t'ai rien fait moi! Il est con ce protecteur, je suis l'un des tiens! Je vais me prendre cher dans la tronche là. Il me faut. Il me faut. Oh, je vais me tromper de bouton jusqu'au bout, hein. Ce serait bien. Voilà, carreau piégé. Non! Pourquoi je me trompe de bouton comme ça, quoi? Je suis vraiment mauvais des fois. Allez. Ça va mieux, monsieur P? Voilà. T'es malade, toi. Tu protèges une petite sœur, mais non. Monsieur P, j'aimerais des anges. Il vaut mieux que les petits soient avec toi, plutôt que toute seule, isolée, dans les ténèbres rampantes. Oui. Je suis dessus, là. Vite, vite, monsieur P. Qu'est-ce qu'il y a dans la petite salle, là? Je suis où, s'il vous plaît? Je suis où? C'est quoi, ça? Je vais aller voir, hein. Tu restes ici? T'es gentil. Oh, une seringue, une seringue. Monsieur P, je comprends pas où je suis des fois. Je suis dans les ténèbres. Pas des anges qui dansent dans le ciel. Mine, 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 mine. C'était efficace, les mines. J'arrive. No stress, no stress. Allez, allez, monsieur P. Pas de temps à perdre. Me voilà, me voilà. Ouvre la porte. J'espère vraiment que d'avoir perdu une petite sœur, c'était pas grave, hein. Les anges n'aiment pas les gros ballots. Oui. Ah, il est là. Il est avec nous jusqu'au bout. Le chat, le chat. Peux-tu ouvrir le coffre, le chat? Switch. Évidemment non. Piraté. Hop. Pour récupérer que dalle. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, le chat, qu'est-ce que tu fais? Tu viens? Allez, viens. On va voir Fontaine avec le chat. Tu veux un chat, petite? Oh! Fontaine n'est pas loin, tu touches au but. Tu m'étonnes que je touche au but, regardez. Quoi? Tu dois utiliser l'aiguille de la petite sœur pour prendre son adam à Fontaine. C'est le seul moyen de le vaincre. D'accord, d'accord, d'accord. Je crois que je suis arrivé à la toute fin du truc. Oui, 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 oui. D'accord. Alors, pourquoi je dis que c'est la fin? Un vendeur de munitions, un vendeur de trucs normaux, un truc pour inventer, un jardin des glaneuses, des trucs partout. Oui, voilà. Un truc génotech. Je crois qu'on est au bout du voyage. Alors, je pense que je peux rien récupérer d'autre. Hein. Je suis bien là. Ah bah tiens. Merci. C'est parfait, je suis à fond en vie. Est-ce qu'il reste une... Il reste pas de seringue quelque part? Je suis vraiment à fond partout. Hein. Ok. Fontaine t'attend maintenant, ça y est, c'est le point de non-retour. Prépare-toi bien avant de poursuivre ton périple. Ok. Ok, ok, je crois que je suis à fond partout. Je crois que je suis à fond partout, je vais quand même vérifier. Bienvenue à la farandole des... Quoi? Pourquoi je peux rien acheter? Vous ne pouvez pas en transporter plus. Ah mais d'accord. On va faire un petit truc. Vraiment pour être à fond, à fond, à fond. Hop. Hop. Je suis à fond partout. Hein. Y a rien à dire. Hop, voilà. Peut-être que... Voilà. Non, mais même ça. C'est débile. Pourquoi il a voulu que je l'achète? Bon, c'est pas grave. Bon, je pense qu'on est prêt là. On est prêt. C'est l'heure du combat final. Donc ça se confirme. Cet épisode sera bien le dernier. On a sauvé toutes les petites sœurs pendant les niveaux. Donc je pense que normalement, on devrait avoir la bonne fin, même si une petite sœur est morte dans ce dédale. En même temps, on va vite le savoir parce que voilà. En tout cas, c'est parti pour le combat contre Fontaine. Fontaine, ok.
Bon, j'espère que ça va être assez simple. Je sais plus trop comment il se combat, parce que je m'en souviens pas du tout. Et je pense qu'on va avoir des petites révélations. Je me souviens du jour où je vous ai mis dans ce sous-marin avec la moche. Vous aviez à peine 2 ans, ouais. Vous étiez mon atout majeur. Mais aussi ce qui se rapprochait le plus d'un fils pour moi. C'est ce qui fait le plus mal. La trahison. La vie ne se résume pas qu'aux affaires. Ok, j'aime bien le message qu'on a vu là. Il est impossible de sauvegarder ici, il n'y a pas de vie à chambre. Si vous mourrez, vous revenez à la dernière sauvegarde. Oh la vache! Sauvegarde en cours, d'accord. Bon, c'est parti. Trouver Fontaine. Mais il est là? Adam de Fontaine. Ah mais il est dégueu. Venez vous battre. Oh putain. Cours. Je vais vous liquider. Ok. Allez. Allez approche. Il est tout mou. Je vais me le faire. Pousse-toi. Il est mort. Allez! C'est presque mort! Ah voilà! Oh là! Encore rien vu! Je n'ai même pas commencé! Donne-moi ton Adam! Ok. Faut lui faire ça 4 fois, je crois. Alerte de sécurité! Cours. Venez vous battre. Un peu plus, monsieur P. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, venez. J'ai pas fini. Attendez, j'ai une idée. Venez. Télékinésie. Vous battre. Approche. Boum. Tiens. Ça, c'est super efficace. Je vous aurai. C'est bon, il est mort, il a perdu sa vie là. Go au milieu. Allez. On va drainer l'avant-dernier. Il y a un petit bug au niveau du compteur de trucs. Mais... aïe. Je suis full of Adam. Comment je vais le faire? Aïe. Voilà, il y a du monde. Un leurre. Attaquez-le lui. Allez, prends-toi des mines. Prenez-vous des mines. Allez. Prends-toi des mines, là. Il y a trop de monde, ici. Ah, il s'est pris les mines, hein. Ça fait mal. Où il est? Il est là. C'est quand vous voulez. Oh. Oulala. Tu aimes bien les carreaux piégés? Est-ce que t'aimes bien les carreaux piégés? Je suis sûr que ça te plaît. Ah, quoique non! Ça marchera pas! Il est en mode électrique là! Je vais plutôt justement le cramer un bon coup dans sa face! Tiens! Oui! Il va dans l'eau exprès pour. Oh là! Oh, je peux le prendre en photo, vous croyez? On va tester. Où tu es? Magnifique. Ok, ça sert à rien, dégage. Il me faut une arme plus puissante. Allez, on y est presque. On va le tuer avec ça. C'est bon, go au milieu, je pense que c'est la fin là. Allez, on lui ship le dernier truc d'Adam. Je vous ai fallu. Je vous ai envoyé là-haut. Je vous ai fait revenir pour vous montrer qui vous étiez. De quoi vous étiez capable? La vie que vous pensez avoir vécue, je l'ai imaginée et imprimée dans votre esprit.
Si ce n'est pas ça, une famille, que vous faut-il de mieux? Et maintenant Allez, les filles. Ah, c'est horrible. Allez, les filles. Ah, c'est glauque. Oh la vache. Elles ont offert la ville. Et toi, tu as refusé. Et qu'est-ce que tu as fait à la place? Ce que tu as toujours fait. Tu les as sauvés. Tu leur as donné la seule chose qu'on leur avait volée. Une chance. Une chance d'apprendre. De trouver l'amour. De vivre. Et quelle a été ta récompense? À aucun moment tu ne l'as dit. Mais je crois le savoir. Tu as gagné une famille. Waouh! Ce retour! Ce retour à l'écran titre brusque. Bon, eh bien voilà, je crois qu'on a terminé et qu'on a eu la bonne fin, puisqu'on a eu, on a sauvé tout le monde et je crois que c'est celle-ci la bonne fin. Alors, ouais, la fin est assez brusque, je trouve, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça, voilà, on le tue, plaf, cinématique de 10 secondes et pouf, écran titre. Enfin, ce qui n'empêche pas que le jeu était excellent. Enfin, moi je me suis éclaté du début à la fin. Mais ouais, le combat de boss était assez simple au final. Avec toutes les munitions qu'on avait, tous les pouvoirs qu'on avait, on risquait pas grand chose. Bon, c'est vrai que finalement à la fin, il faut quand même le voir, il me restait je crois 3 trousses de soins. Donc bon, fallait pas que ça dure non plus trop longtemps encore. Mais au final, bien, on lui a fait sa peau à ce Fontaine. On lui a fait la peau. Et on a pu libérer toutes les petites sœurs, on leur a offert une chance de vivre. C'est ce que dit Tenenbaum, hein. C'est que bah voilà, maintenant elles ont vécu leur vie. Et on a vu, bah je pense qu'on est mort de vieillesse tout simplement à l'hôpital. Je pense que c'est ce qu'on a vu tout à la fin, et que toutes les petites sœurs étaient à notre chevet, donc c'était assez joli. Alors au final, moi personnellement je me suis éclaté tout le long du jeu. J'espère que c'était votre cas, parce que ce let's play, voilà, il m'a vraiment plu. Et donc comme je l'ai dit au début de l'épisode, je compte faire Bioshock 2 directement à la suite. Alors quand je dis directement à la suite, c'est que pour bien faire, j'aimerais bien le commencer dans 3 jours, hein, comme si c'était un nouvel épisode du let's play, quoi. Seulement je suis pas sûr qu'il commencera dans 3 jours, parce qu'il faut que je fasse des tests. Le jeu Bioshock 2, je l'ai. D'ailleurs, je n'y ai jamais joué, hein, donc ce sera une full découverte. J'ai dû y jouer 10 minutes, je crois, donc bon. Donc voilà, on va le découvrir ensemble. Donc pour ceux qui connaissent, vous allez pouvoir me donner encore toutes vos astuces. On va pouvoir s'améliorer ensemble. Et du coup, je pense que je vais d'ailleurs avoir les boules un peu plus que celui-là encore, puisque j'y connais rien du tout. Donc s'il y a des moments de surprise, je vais les avoir en pleine tronche. Alors je ne sais pas non plus d'ailleurs pourquoi il y aurait un 2. Pourquoi on retourne à Rapture, puisqu'apparemment, voilà, on s'est vu mourir à la fin de cette cinématique. Notre héros est mort apparemment. Enfin, c'est ce que je vois. En tout cas, on a vécu notre vie tranquillement, les petites sœurs aussi. Et pourquoi on retournerait à Rapture? Quelles sont les raisons? Donc ça, on le découvrira dans Bioshock 2. En tout cas, j'espère vraiment que ce display vous aura plu. Petite précision aussi, dans le Bioshock 2, je fouillerai tout exactement de la même façon, parce que c'est comme ça que j'aime jouer, c'est comme ça que j'apprécie de jouer à ce genre de jeu. Je vais tout fouiller, donc on jouera de la même façon. Et en tout cas, du coup, je vous retrouve très vite pour la suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce let's play, de ce dernier épisode, de ce combat et de cette cinématique, même si je trouve quand même qu'il nous expédie un petit peu dans notre tronche, puis boum, il n'y a même pas de générique d'ailleurs, c'est assez spécial. Mais bon, d'ailleurs si, en fait, on peut faire les crédits. Voyons voir. Voilà, vous voulez un générique? Voici un générique. Ce qui me permettra donc de vous dire au revoir là-dessus. On va y voir, on va le voir 30 secondes. Et de vous remercier encore pour tous vos conseils, vraiment c'était super. Et on se retrouve très vite pour Bioshock 2, voilà, à très bientôt tout le monde.